Donc voilà, nous sommes comme ça dans le Mayo Tanaga. Hier, Cabral était à Garoua. Tout à l'heure, il sera dans le Giga Meeting de Maroua. Nous sommes là dans le Mayo Tanaga. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Nous sommes plus précisément dans la ville ou bien le village de Mokolo. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct. Cabral il dit comme ça là, qui arrive dans ce tout petit village de Mokolo, non loin de Kolofata. S'il vous plaît, combien de kilomètres de Kolofata? Un village situé à quelques kilomètres de Kolofata, Cabralibi est le meilleur choix dans ce village. Partagez le direct, bonjour de Paris, merci, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, partagez, partagez, partagez. Partagez le direct, nous sommes à Mokolo, un village situé non loin de Kolofata. Cabralibi, qui est adulé ici par la population, partagez le direct, partagez, 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 partagez le direct. Si, nous sommes déjà dans le nord, l'extrême nord. Nous sommes à l'extrême nord. Voilà, ils ont soif du changement. Boko Haram a sévi, ils n'ont pas vu le gouvernement. Il y a eu sécheresse, ils n'ont pas vu le gouvernement. Il y a eu la famine, ils n'ont pas vu le gouvernement. Il y a eu, ils n'ont vu personne. Mais à la veille de l'élection, ils ont vu un monsieur qui est venu faire des affiches partout et qui est venu demander l'électorat. Ils ont dit ça suffit, trop c'est trop. Ça suffit, trop c'est trop. Donc voilà. Je vous présente comme ça le président Gandhi, le vrai boss des boss. Donc le voilà, le grand Gandhi. Donc voilà. Voilà. Merci Alfred, merci. Mokolo, Oye, Cabralibi 100%. Voilà. Nous sommes en train de sortir de Garoua pour un meeting à Mokolo. Apothéose tout à l'heure, 16h. 16h à Maroua. À Maroua, le méga meeting de Maroua. Du jamais vu. Un opposant n'avait jamais organisé un tel meeting. Cabralibi qui a promis de ramener la dépouille de Amadou Ahidjo dès qu'il sera élu. Merci beaucoup. Restez connectés. Voilà. Il y a des gens qui voulaient me voir hier. Cabralibi. Voilà, nous sommes à Mokolo. Nous sommes bel et bien à Mokolo, dans le nord, l'extrême nord, à quelques kilomètres de Kolofata, à quelques kilomètres de Amsidé, à quelques kilomètres de Moura. Cabralibi est venu porter un message d'espoir, donner un message de réconciliation à cette jeunesse-là, à cette population qui avait déjà perdu le goût de la politique, qui était déjà découragée. Ok. Gizou dit qu'elle connaît déjà mon visage. Voilà mon visage. C'est moi qui fais le tirer. Voilà. Voilà.
Les gens, ils ont soif du changement ici. Nous sommes à Mokolo, un village situé non loin de Kolofata. Donc voilà, voilà. Vous avez vu mon visage, donnez le cœur, donnez le cœur. Voilà, 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 voilà. On continue. Jambama, merci. Jambama. You are the one, the only one, the best choice. Voilà, Cabra Libi, le meilleur choix. Ah, ouais, 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 ouais. Je vais enlever le chapeau. En fait, comme je suis au nord, j'ai oublié que voilà, il fallait porter le chapeau des musulmans. Là. Je vais acheter ça tout à l'heure. Je vais changer. Donc voilà, voilà, la petite ville de Mokolo s'est réveillée très tôt ce matin. Non, Poutine n'est pas ici. Poutine est resté à Yaoundé pour organiser le giga méga meeting de samedi. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà la population qui crie Cabral, 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 Cabral. Nous sommes là à Mokolo. Ce petit village situé non loin de Kolofata. Voilà, voilà. Donc voilà, 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 voilà. L'équipe qui gagne, le maillot jaune, merci. Merci. Tu es vraiment le meilleur choix. Ah oui, c'est le meilleur choix. Voilà, 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 voilà. Réalisons le miracle camerounais. C'est le peuple qui vote. Et je vous dis. Oui, oui, c'est ma première fois d'arriver ici. Et je peux vous rassurer, c'est une région assez paisible. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous montre à la télé, les terroristes, tout ça, non. La population est très accueillante et ils sont victimes du terrorisme. Ils sont victimes du terrorisme et ils ont besoin de la population du sud pour les soutenir. Donc voilà, ils sont très accueillants, du moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est une très belle ville, Mokolo, la ville de Mokolo. Voilà, vous pouvez voir là sur la pancarte, Mokolo, Mokolo. Voilà, ça c'est la commune. Donc, c'est un jeune de 23 ans qui va prendre cette commune. Après la victoire de Cabral Libi. Voilà la commune qui sera prise bientôt par les jeunes du mouvement 11 millions. Voilà, ça c'est la voiture de Gandhi. Il est du nord. C'est l'un des plus grands soutiens de Cabral Libi. Ici au nord. Merci, merci. Voilà, 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 nous sommes comme ça là, en train de traverser ce petit village de Mokolo. Tout le village est sorti, comme vous pouvez constater. Voilà, voilà des bâtis mis en ruine, certainement par Boko Haram peut-être, aucune idée. Mais de toutes les façons, la ville est debout, la ville essaye tant bien que mal de vivre. Vous allez voir. Voilà. Cabral. Cabral. Voilà. Voilà. Voilà le président qui est sorti. De la toute première fois, le président est sorti. Voilà. Partagé, partagé, partagé. Cabral Libi est venu donner un message de réconciliation, de réconfort à cette population victime de terrorisme et tout. Donc voilà,
Ne votez pas les photos, votez un candidat que vous pouvez toucher, votez un candidat que vous pouvez voir, avec qui vous pouvez discuter. Solor, merci, merci. Je vous mets également mon profil Facebook, comme ça, vous m'ajoutez comme ami, d'accord? Donc voilà, voilà, vous voyez la population de ce tout petit village, ce tout petit village acquis complètement à la cause de Cabral Ibi. Nous sommes au nord, nous sommes à Mokolo, donc partagez le direct. Cabral Ibi accueilli ici comme un dieu. Solo, tu es déjà amoureux du reporter. Voilà, je lis ça, je dis rien. Voilà, 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 voilà. Cabral Ibi, adulé ici par une population qui a soif du changement. Voilà, voilà, un homme d'État. Voilà ce qu'on appelle un homme d'État. Un homme d'État proche de sa population. Voilà un homme d'État proche de sa population. Voilà, 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 voilà. Soyez des témoins de cette révolution. Soyez des témoins de cette révolution. Un homme d'État qui est proche de sa population. Nous sommes ici au nord Cameroun. Voilà, merci pour l'accueil. Partagez le direct, c'est tout ce que je vous demande. Le meeting, c'est ce soir à Maroua. Voilà Hassan Bao qui s'est habillé aujourd'hui à l'accoutrement d'un artiste. Ndamanou Soukrou. Voilà, voilà, voilà. Kamala Mokolo, je vous en prie. Hassan Bao, c'est sa première fois d'arriver comme ça à l'extrême nord. Hassan Bao, c'est votre première fois ici à l'extrême nord. Première fois, n'est-ce pas? Deuxième fois. Deuxième fois. Donc c'est sa deuxième fois d'arriver comme ça à l'extrême nord. Il était déjà ici pour une visite. Bref, moi c'est ma première fois. Le meeting de Garoua, c'est demain. Le meeting de Maroua, c'est aujourd'hui. Maroua aujourd'hui, Garoua demain. Voilà, Hassan Bao, quelle humilité. Le gars, il prend sa moto. Voilà. Dame Kadou, voilà. Oui, oui, Bao, Bao. Voilà, voilà. Nous sommes à Mokolo. Actuellement, nous sommes à Mokolo. Après Mokolo, 16h, on a meeting à Maroua. Et demain, apothéose à Garoua. Donc voyez comme ça le président Cabral Ibi qui est adulé par une population déterminée à le porter jusqu'à Etoudi. Nous sommes à Mokolo dans le Mayo Tchanaga. Si vous êtes gabonais et que vous êtes cabraliste, commencez à travailler. Comme vous pouvez voir, Cabral Ibi ne peut pas aller partout. Il ne peut pas aller partout dans le monde entier. Donc commencez à travailler sur place et puis après la victoire, il va faire le tour pour vous remercier. Guizou, Guizou, ajoute-moi comme ami dans ton Facebook. Voilà, je vais t'ajouter, ne t'inquiète pas. J'ai besoin des amis comme toi. Pourquoi il ne vient pas à Yagoua? Aujourd'hui, il a envoyé un message à Yagoua
avec des prospectus et voilà, je vais vous dire tout à l'heure s'il pourra venir à Yagoua ou pas. Rappelez-vous que le vote c'est ce dimanche, donc imaginez-vous bien qu'après le meeting de Yaoundé, il doit repartir puisqu'il va voter à Ezeka. Il va voter à Ezeka. Ezeka, ce village-là qui a connu l'accident de train, et Cabral Libi a décidé d'aller voter à Ezeka. The King, ajoute-moi aussi. Voilà, ça fait déjà deux personnes, oui. Une fille et un garçon. Oui, il était déjà au Gabon. Cabral, oh yeah. Voilà, voilà. C'est l'euphorie totale ici à Mokolo. Nous sommes à Mokolo. Partagez le direct. Vous êtes 138 à regarder ce direct. Si chacun partage une fois ou deux fois, immédiatement, on va passer à 300 personnes. Donc, je vous fais confiance. Partagez le direct. Partagez le direct. Voilà, 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 voilà. Voilà. Nous sommes comme ça à quelques kilomètres de Kolofata. Nous sommes à quelques kilomètres de Amchide, des villes qui ont été secouées par les attaques terroristes. Cabral Libi a eu le courage comme ça. Il est le seul candidat à faire un meeting ici. Parce que, comme vous savez, le Nord, c'est une zone à risque. Et encore des petits villages comme ça, il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir de l'amour pour son peuple, il faut avoir, il faut mettre l'humain au centre, il faut être une personne qui met l'humain au centre de toutes ses prises de décision. Et je vous assure, Cabral Libi est un candidat qui a peur de Dieu, qui met l'humain au centre de toutes ses décisions. Voilà, dans l'extrême nord, regardez, c'est l'euphorie totale. Regardez ce boulevard, ce boulevard. Tout le village est sorti. Tout le village est sorti. Tout le village est sorti. Donc, regardez, plus de 1000 personnes sur ce boulevard pour accueillir Cabral Libi dans cette ville. Voilà Cabral Libi, le candidat du peuple, le candidat. Voilà Maroua, restez mobilisés à Maroua, c'est tout à l'heure, à 15h30, le nom en Fofoudé, ça m'échappe un peu, mais vous connaissez le lieu, je crois que c'est à la place des fêtes, mais il y a un nom spécial en Fofoudé, je ne sais pas si c'est Adjarou ou quoi, mais de toute façon, Maroua, restez mobilisés à la place des fêtes. personnes connectées comme ça. Continuez à partager le direct, partager. No more, Pong Sardine, yes. So I was saying that we actually at Mokolo, where Cabral Libi is going to have a meeting. He's going to have a meeting here in Mokolo. After 4 p.m., we're gonna go to Maroua for the Mega Giga meeting. So I know many people here only speak English because we are close to Nigeria. So we are close to Nigeria, you see. People are very excited. People are very excited here to see the next president of Cameroon. Gizou, arrête ça, je vais te bloquer. Voilà. People are very excited here to see the next president of Cameroon, Mr. His Excellency Cabral Libi. I know many people here are from Nigeria because Nigeria is not far from this city. So now, voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc,
voilà. Nous sommes comme ça à Mokolo, un village qui a été traumatisé par les attaques terroristes, un village qui a été délaissé par le gouvernement central. Et la population a décidé de changer de régime. Ils ont promis un vote à 100% pour Cabral Libi ce dimanche 7 octobre. Ils ont promis un vote à 100% pour le leader Cabral Libi. Comme vous pouvez constater, tout le village est sorti. C'est grave à Mokolo. Voilà. Merci. Cabral président. Chloé Malagashi, je suis pas un présentateur professionnel, donc je m'improvise comme ça parce que j'ai envie de partager ce que nous faisons avec vous, donc c'est pas mon boulot en fait. Donc quand tu dis reste professionnel, je peux pas être professionnel parce que c'est pas mon métier. Donc là je suis juste en train de partager avec vous ce qui se passe ici au nord. Voilà, merci. J'étais en train de lire les commentaires. Merci. Kawala avait fait plus que ça elle-même. Pour rappel, Kawala n'a jamais fait ce que Cabral Libi a fait. Donc, voilà. Faut pas confondre les choses. Cabral Libi, c'est un mouvement populaire. C'est 11 millions de citoyens debout. C'est pas un parti politique. Si on veut parler du parti univers, c'est un parti qui a fait confiance au mouvement 11 millions de citoyens et a porté le coordinateur national du mouvement à la tête du parti. Le parti univers n'appartient pas à Cabral Libi. Cabral Libi n'a pas de parti politique. Il a juste bénéficié comme ça des largesses du professeur Nkumbondo qui a fait confiance à la jeunesse et qui l'a choisi comme candidat. Voilà, Cabral. Voilà. Voilà, tu parles vraiment des anciens non sans succès. Voilà. Voilà la population. Cette petite ville de Mokolo, longtemps abandonnée, est désormais debout. Nouran, comment ton téléphone, s'il te plaît? Cette petite ville de Mokolo, longtemps abandonnée comme ça, par le gouvernement, est décidée à en découdre avec ce régime. Comme vous pouvez constater, voilà.
Voilà Cabralibi comme ça là dans la ville de Mokolo, dans le Mayo Tanaga. Voilà. Accueilli comme un chef d'État ici par des milliers de personnes. Nous sommes à quelques kilomètres de Kolofata, nous sommes à quelques kilomètres de Amchide, une population longtemps abandonnée par le gouvernement central qui est décidé à en découdre avec celle-ci, et à sanctionner le gouvernement central ce dimanche 7 octobre. Donc voilà, restez connectés pour la suite. Le meeting tout à l'heure, c'est à la place des fêtes de Mokolo. Restez connectés. Merci. Tiens, Loran. Faut pas seulement partager dans tous les Cabral, parce que les Cabralistes actuellement sont déjà convaincus. Là maintenant, il faut partager dans d'autres groupes où on retrouve les indécis. Les indécis, les gens qui ne savent pas de quel... Voilà le mouton du Nord qui traverse. Voilà le Cameroun, 36 ans de gouvernance. Regardez. Regardez une ville comme Mokolo. Nouran, partage la connexion s'il te plaît. Nouran. Attends, ma connexion signale. Attendez, je mets le crédit. Restez connectés. Voilà. Partagez le direct. Je crois que j'ai mis le crédit là. Voilà. Nous sommes au nord, au far nord, à quelques kilomètres de Amchide, quelques kilomètres de Kolofata. Voilà, la population accueille Cabralibi. Oui, ça c'est Mokolo. Ça c'est effectivement Mokolo. Il y a quand même de belles maisons à Mokolo. Il fait beau vivre ici. Juste que c'est une ville délaissée par le pouvoir central. Voilà. Nous sommes en train d'aller au lieu du meeting. Merci. Nous sommes en train d'aller au lieu du meeting dont le président est escorté par plus de 200 motos. Voilà, la ville de Mokolo, je vous fais visiter, et voilà, la ville de... Partagez le direct, je veux 500 personnes connectées. Vous avez vu l'accueil à Garoua hier, vous avez vu ce qui s'est passé à Garoua, restez mobilisés. Omar, merci pour l'accueil de Bertois. Sissi Kenko. Voilà. Les filles qui sont connectées, donnez-moi le cœur. Voilà. Voilà la population décidée comme ça à apporter leur soutien à Cabralibi. Cabralibi, d'ailleurs ils ont promis de voter Cabralibi ce dimanche, 100% ici à Mokolo. Oui. Donc voilà comme ça le cortège qui est là, voilà Mokolo, le cortège est là. Voilà. Oui, le meeting de Yaoundé, le samedi 6 à 15h. Sortez nombreux, montrant à tous ceux-là qui disent que le meeting de Douala était un coup de chance, montrant-leur que nous sommes tous derrière Cabralibi. C'est vrai, moi je vais voter à Douala 3, mais je vais d'abord faire le meeting de Yaoundé. Et prendre ma voiture le soir pour arriver le matin et voter. Donc voilà.
si vous êtes à Yaoundé ou bien aux environs de Yaoundé, sachez que samedi 6, vous allez faire le déplacement pour le Giga Terra Mega Meeting du stade annexe de Pandena. Merci. Le rendez-vous étant pris, continuons comme ça à savourer cet accueil dans la ville de Mokolo, une ville située dans le département du Mayo Tanaga. Excusez si on a écorché le nom, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est cette lueur d'espoir que Cabral Ibi a réussi à apporter sur le visage des habitants de la population de cette ville. Je ne sais pas si je vais appeler ça village ou ville, mais j'ose croire que c'est une ville sous 36 ans. Voilà à quoi ressemble une ville. Une ville sous 36 ans du régime de Paul Biya. Voilà. Restez connectés. Vous voyez là la voiture de l'un des plus grands soutiens de Cabral Ibi, Gandhi. Gandhi, c'est le fils d'un Lamido qui a décidé comme ça d'apporter son soutien à Cabral Ibi. Voilà. Voilà, la population veut le changement. Partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Connectez-vous, comme disait un certain à l'artiste Longuet, connectez-vous. Dès que Cabral Ibi est président, vraiment j'invite tous les gens, tous les Camerounais de la diaspora à venir à la prestation de serment. Il faut que ça soit un événement inédit. Il faut que la poste centrale de Yaoundé soit inondée. Il faut que l'Afrique, que les Camerounais sentent vraiment la libération. Voilà. Voilà. Voilà, je m'excuse s'il y a trop de voilà. Je ne suis pas reporter professionnel, comme je vous l'ai dit tantôt. Je m'improvise dans ce métier pour pouvoir vous faire découvrir ce qui se passe actuellement au Grand Nord. Donc, soyez un peu indulgents. Un seul mot, Cabral Ibi. Le détail ne nous intéresse pas. Un seul mot, Cabral Ibi. Le département le plus peuplé, ce n'est pas Mokolo. Voilà. Voilà, l'heure n'est plus à tergiverser. Commentaire déplacé, je bloque. L'heure n'est plus à vous convaincre. Ceux que Cabral devait convaincre sont déjà convaincus. Donc, je n'ai pas besoin des gens qui vont venir dire là où c'est j'y vais quoi, je ne sais pas. J'y vais autre chose que j'y vais, c'est tu es bloqué. Donc, tu te bloques directement. On n'est pas là on n'est plus là à convaincre. Le programme politique est sorti depuis. Vous pouvez télécharger sur Cabral Ibi 2018. Vous pouvez lire. Vous pouvez regarder. Sans prendre position et essayer de faire votre propre idée. Ici, c'est JVC officiel. C'est pas un débat. C'est Cabral Ibi ou rien. Ici, c'est Cabral Ibi ou rien.
Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Nous sommes à Mokolo. Non, je bloque. Partagez le direct. Ici, c'est Cabral Libye officiel. Vous avez, c'est quelle page là? Je n'ose même pas prononcer le nom. Vous avez la page là pour saboter Cabral. Vous avez plusieurs faux profils pour saboter Cabral. Les cabralistes n'ont pas de faux profils. Les cabralistes ont leur vrai profil. Et mon profil, c'est Foster de King. Voilà, vous pouvez vérifier. C'est pas un faux profil. C'est un jeune Camerounais qui, Il n'est rien contre le régime, je dis juste que je suis Cabral. Pourquoi? Je veux voter à ma carte d'électeur. Pourquoi ça vous gêne autant? Je vote avec ma carte, ça te fait mal. Est-ce que ça veut ta carte que je vote? Voilà. On est déjà arrivé au lieu du meeting. Chacun est libre de choisir son candidat. Moi, j'ai choisi Cabral Libi. Donc, ne venez pas ici avec vos faux profils. Dis ceci et cela. Voilà. Petit village, voilà comme ça. Nous sommes à Mokolo, dans le Mayo Tsanaga, un petit village situé non loin de Kolofata. Ce village situé non loin de Amchide. Ce village qui a connu la terreur terroriste. Voilà Cabral Libi qui est venu leur apporter une lueur d'espoir. Voilà, partagez le direct, partagez. Il faut descendre. Voilà. Attends, centre d'abord. Il faut descendre. Et non, puis, voilà, attention. Ça ne va pas tomber. Voilà. Je te mets immortaliste la scène. Immortaliste la scène. Voilà. Je vous permets comme ça de descendre. Voilà. Je vous présente notre grand cadeau du Nord. Voilà, on ne présente plus. Merci beaucoup, directeur de campagne. Voilà. Merci. Merci.
dépasse. Voilà, j'ai déjà bloqué plus de 25 personnes. Voilà, donc continuez, je bloque. Ça me permet de libérer ma page. Brigadeur sacrifice de monsieur le président Abraham Bibi, le père pour vous. Je n'y ai pas votre engagement à nous. Vous, le peuple. Après, nous sommes les plaisirs, s'il vous plaît. Ouran, donne-moi ton téléphone, quoi. Je vais faire un coup, de gauche à droite, de ce côté et de l'autre. Depuis les jours, pas de même pour le droit de la société. Alors, ça peut être quoi? Et puis, tout le monde, je viens observer le président Karen. Et entamer également avec l'hymne national
Voilà les gens du village reculé qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas manquer ce meeting, qui viennent d'arriver là. Vous pouvez constater qu'ils sont sortis des villages vraiment extrêmement loin pour venir à ce meeting, pour ne pas rater comme ça l'occasion de voir Cabral Ibé. Comme un soleil, ton drapeau doit être un symbole à dans nos foyers et d'unité. Que tous tes enfants vivent aussi. Et ça reçoit tout amour. Que c'est mieux que ce soit le seul but pour remplir le devoir du jour. T'es chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. Voilà l'amour et les mâchoires. du 7 octobre 2018 qui aura lieu le jeudi 4 octobre 2018 de 7h à 17h au stade municipal de Boutoumera a été modifié. Alors aussi conformément aux dispositions de la loi numéro rien ou personne rien ou personne ne volera notre victoire. Portant un régime de réunion et manifestation publique, Monsieur Amado Aridjo Ousseini, titulaire de la carte nationale d'identité du 33e mois, engage à agir dans le strict respect des lois et de l'ordre public et à répondre à tout incident qui a souviendra. En outre, il n'ira pas au-delà de l'objet de la manifestation sous-indiqué et ne changera pas la tête ni le lieu. Voilà, vous avez vu là la première dame. Monsieur le représentant du Parti politique univers, camarade candidat à l'élection présidentielle, monsieur le coordonnateur univers de l'arrondissement de Mokolo, mesdames et messieurs, honorables invités, chers camarades, en cette circonstance solennelle de l'arrivée à Mokolo de monsieur Cabral Ibé,
candidat du parti Univers aux élections présidentielles du 7 octobre 2018, j'ai la légitime fierté de prendre la parole devant tous les camarades du parti Univers pour bon, Albert Akono, tu es bloqué, tu es bloqué. Yannick Ngancha, tu es bloqué. L'immense majorité de la population camerounaise souhaite votre candidature. Votre projet de société est l'un des plus convaincants et adapté aux réalités de notre pays aujourd'hui. Vous compterez avec le soutien sans faille de la coordination du département du Mayo Tchanaga, au nom de laquelle j'ai l'honneur de présider. Tous les jeunes, tout homme, toute femme, de bonne foi et honnête, vous promettent leur vote au soir du 7 octobre 2018 à 100%. En toutes circonstances, vous pouvez compter sur notre soutien constant, croissant, voire multiforme. Je ne saurais terminer cette allocution sans toutefois citer le célèbre homme politique français, Jean Jaurès, l'homme de son pays, c'est l'homme de son temps. Monsieur Cabral Libi, vous êtes l'homme du Cameroun, dont l'homme politique d'aujourd'hui. Je vous tout le grand soutien du Mayo Tchanaga. Je vous remercie. C'était le discours du président départemental du Parti Univers du Mayo Tchanaga. Ça a pu être vrai, on parle du discours du président de Sabat. C'était du temps. Nous allons passer le micro de M. Cabral Libi. Tout est mis plus que ce qui tient ici. M. Cabral Libi. Monsieur Cabral Libi, vous avez la parole, s'il vous plaît. La sécurité est là. Monsieur Cabral Libi. Bienvenue. Population de Mokolo, est-ce que vous êtes là? Dix fils et filles du Mayo Tchanaga, est-ce que vous êtes là? Faites du bruit. Salam alaikum yeti on bejabama. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Vous le savez. J'étais déjà ici il y a quelques mois. Et c'est l'occasion de remercier le président, toute son équipe. Amatoukoul Gandhi, le président, que je vous prie d'acclamer encore, et toute l'équipe pour le travail que vous faites. Il y en a qui croient que vous êtes leur propriété, que peut-être Dieu vous a créé pour eux, et rien que pour eux, et puis pour vous-même. Désormais, c'est terminé. Je suis venu ici il y a quelques mois vous dire de vous inscrire massivement sur les listes électorales. On dit, est-ce qu'on suit? Il se dit partout au sud que tu deviens président de la République, il faut que la population de l'extrême nord
t'adoptent dans leur cœur. Vous qui êtes là et qui êtes là avec vos cartes de lecteur, montrez-moi, je vois. 100%. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez les cartes de lecteur. Vous voyez les cartes de lecteur. Parce que vous n'avez rien à faire. Est-ce que c'est vrai ça? Vous savez, chaque fois que je viens ici, j'ai mal. Depuis 36 ans, vous avez vu tout le monde, n'est-ce pas? Ils sont restés au pouvoir grâce à vous, n'est-ce pas? Ils vous ont même donné quoi en retour? Parce que je veux gouverner avec vos frères et sœurs qui connaissent vos problèmes. N'est-ce pas, vous les connaissez? Oui. N'est-ce pas, vous êtes ceux qui connaissent vos problèmes? Oui. Nous allons les régler, chers frères et sœurs. Désormais, ce ne sera plus jamais comme avant. Nous allons construire un pays qui va vous sortir de la pauvreté. La population, c'est la richesse. En économie, quand vous êtes nombreux, vous êtes riches. Qu'est-ce qui explique que si vous êtes nombreux, vous êtes pauvres? C'est parce que ceux qui vous dirigent et ceux qui prétendent être vos élites, ils prétendent être vos représentants. Bon, je crois qu'il y a certaines personnes que je n'ai pas encore bloquées. Je les attends. Écrivez, je bloque. C'est ça que la vérité. Depuis 36 ans, nous sommes bloqués de montagne, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ça coûte de faire des petits barrages pour régler le problème de l'eau et garantir une agriculture saisonnière? Qu'est-ce que ça coûte? Rien. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce qu'ils ne vous aiment pas. Moi, je vais le faire. La question de oui, j'attends que Paco écrive encore. Je veux bloquer un dommage à nos soldats. Ils sont en train de se battre pour régler le problème de l'insécurité et de Boko Haram. Mais dites-moi, nous sommes à une cinquantaine de kilomètres du Nigeria. Qu'est-ce que ça coûte depuis 36 ans de faire une route qui va direct, une couverture routière qui va directement sur le Nigeria, qui est un grand pays voisin pour nous permettre de faire des affaires? Je vais le faire. Un kilomètre de route bitumée, c'est 300 millions. Vous faites 100 fois 30. Ça donne un peu plus de 2 oui, milliards. Partagez, partagez, partagez. Le budget de la présidence, c'est 53 milliards, 1 milliard par semaine. Ça fait seulement 3 milliards. Tu as déjà fait la route qui relie avec le Nigeria. Ce que je vous dis, que les populations sortent de la pauvreté, il faut qu'elles soient dirigées par des personnes qui les aiment, qui connaissent leurs problèmes, qui chaque jour qui se lèvent.